Bonjour, mes co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Bruxelles, en Belgique, avec Martine. Bonjour, Martine. Bonjour, Lilou. Merci. Ah bah écoute, Merci à toi. Je suis ravie. C'est vraiment un bonheur de retrouver des gens comme toi qui suivent leur créativité, qui osent, qui ont le courage de devenir, qu'ils sont vraiment au plus profond de leur être. Et c'est ce que t'encourages à travers tes BD initiatiques. Il hein. y, y en a quand même sept tomes. Et j'ai reçu ces BD il y a, il y a quelques mois et je les ai trouvés géniales et je trouve l'initiative absolument géniale. Ça s'appelle le trésor oublié de l'arc-en-ciel et toutes ces magnifiques BD en fait correspondent chacune à un des chakras. Et il parle de cette évolution, euh, de l'évolution en fait de l'être, de ce petit garçon Sacha qui traverse ces différents épisodes. Alors je suis intéressée de parler des découvertes que tu as faites, mais aussi de ton parcours, mmh. de ce qu'on peut apprendre euh, bah, de, de, de ton propre parcours et à travers ces, ces magnifiques BD, parce que c'est pour moi, c'est touchant de voir à chaque fois, euh, bah, comme je disais tout au début, euh, une personne qui se dépasse parce qu'il y avait pas mal de peur dans ta vie et, et tu, tu, tu vivais en fait pour les autres mmh. et tu étais artiste euh, à la base mais tu faisais pas vraiment ce métier, c'est quelque chose, et ça je pense qu'il y a plein de personnes qui regardent là, qui peuvent se, se reconnaître, donc c'est vraiment un trésor <laughs> pour reprendre un peu le titre de, 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 de ta série de BD. Dis-nous comment, comment ça s'est passé, quel était le début, avant qu'on parle de l'évolution de l'humain et comment tout ça, parce qu'en fait à travers ton propre parcours on va aussi apprendre plein de choses, dis-nous comment ça a commencé tout ça Eh bien ça a commencé, donc moi je suis, j'ai un régenda en art plastique, donc je suis professeur de dessin. Et puis, j'avais très peur des gens, j'avais très peur de tout. Donc, j'ai vécu pendant 40 ans dans l'ombre de mon mari. Et puis, euh, voilà, j'ai eu un événement déclencheur, même plusieurs événements déclencheurs, et qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre Et je vivais à côté de mes pompes, euh, comme on peut dire. Et puis, voilà, je me suis mis en quête de moi-même, et j'ai découvert des tas et des tas d'outils, euh, plus merveilleux les uns que les autres, pour pouvoir vraiment euh, retrouver... Euh, retrouver le sens de sa mmh. propre vie et de vivre en cohérence avec la vie plutôt que, mmh. que subir sa vie donc voilà parce qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent une certaine, un certain degré de souffrance enfin on, on a tous notre degré de souffrance et à un moment on décide bon ben bah là c'est vraiment de trop et, 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 c'était quoi ce moment en fait de bon il me faut autre chose et il faut vraiment que ça change ouais. donc moi c'est le premier événement déclencheur c'était le suicide de ma maman et donc là, je me suis rendu compte euh, voilà, que, que si je continuais dans la voie que je m'étais fixée, bon, on sait bien qu'on reproduit toujours euh, ce que les parents euh, nous ont véhiculé quand on reste dans cette inconscience, dans cette ignorance. Et donc voilà, moi, ça, ça a été vraiment l'événement de dire bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ici sur la Terre Qu'est-ce que j'ai à transmettre Qu'est-ce que je peux faire Tous les dessins, je les cachais, j'avais énormément de dévalorisation. Euh, donc voilà. Et donc voilà, et puis euh, j'ai commencé à, à faire des ateliers sur les couleurs, sur les chakras. J'ai rassemblé tout l'enseignement que je glanais à droite à gauche. Et puis je me suis dit, mais il y a tellement de choses à partager, il y a tellement de clés, il y a tellement d'outils. Euh, donc pourquoi pas allier euh, ce qui était devenu mes deux passions, l'humain et le dessin, et d'en faire une série de BD, donc oui, basée sur les chakras. Donc il y aura huit tomes. Huitième va sortir cette année, fin d'année. Et donc voilà, c'était aussi toute une aventure initiatique ouais. pour moi aussi. Euh, donc voilà. Parce que ça ne se fait pas tout seul, tout ça. C'est-à-dire que quand on trouve sa passion, qu'il y a vraiment quelque chose qui nous plaît, bien sûr qu'il y, y a des défis, il y a des embûches euh, pour, pour aller encore au, au prochain niveau, je suppose, ouais. ou pour s'ouvrir encore plus. Comment tu décris cette évolution ouais. En fait, moi je, je, je ne parle pas d'embûches, je parlerai plutôt d'expériences. Ouais. Voilà, parce que ce sont de merveilleuses expériences pour pouvoir. C'est notre terreau en fait. Hein. Ce sont nos métaux lourds. J'ai un dessin qui s'appelle l'alchimie humaine. Et c'est vraiment les métaux lourds qui font que s'il n'y si a pas de métaux lourds, il n'y a pas d'or. Et, et ces métaux lourds, on en a besoin pour, pour les transmuter. C'est eux qui font qui on est. Et plus on va à la rencontre de soi, et plus, et plus on arrive à vivre en cohérence. Donc pour moi, c'est très important ce mot c'est de pouvoir être en cohérence avec les enseignements que j'essaye de faire passer et, et ma vie de tous les jours. Donc dans mon couple, avec mes enfants, ouais. euh, avec les gens que j'aime, avec les gens que je rencontre. Donc cette cohérence est très très importante. Donc voilà, c'est tout un chemin, ça dure toute une vie, c'est génial. Ouais. <laughs> Mais tant au niveau de, de la démarche de publier ces BD initiatiques, que je suppose les, les personnes qui t'entouraient ou autres, ça s'est passé euh, comment à ce niveau-là Je veux dire, il y, a eu, il y a eu un certain, il a fallu trier un petit peu ou pas Parce que il semble que plus on, il y a quand même un petit nettoyage à faire par moment, oui, non Tout à fait. Ou qui s'est fait naturellement Comment ça se passe Parce que comment on sort de l'ombre pour vraiment devenir, bah, pas chef d'entreprise, mais enfin créatrice avec vraiment un objet qui sort. Euh, au grand jour, et maintenant on diffuse ça sur internet et on en parle, c'est encore c'est quand même pas évident, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'en fait, quand j'ai décidé de, de changer de vie, de vraiment reprendre le pouvoir de ma vie, euh, je suis passée par une année de, de chaos, hein, un peu un chaos de transition comme ça, où il fallait que moi je me trouve, que je sorte des schémas. Euh, ben de dépendance affective, de culpabilité. Euh, J'étais quelqu'un qui était très sauveur, donc je ramène vraiment ça à mmh. moi. Donc ça ça a ébranlé un peu toute la vie de la famille. Aussi ouais. bien le couple qui a failli, failli éclater. Euh, bon, là, on a quand même 32 ans de mariage, donc on a pu passer à travers, euh, parce que quelque part... Ben, mon mari, bien heureusement, n'a pas choisi de partir, ou moi de, de partir, quoiqu'à un moment donné, j'ai bien failli parce que c'était trop souffrant. Mais il s'est mis en, en, en route aussi, donc maintenant on crée même un, un séminaire de couple. Donc, euh, oh oui. Ah oui, oui, c'est fabuleux. Et puis les enfants aussi ont, ont trouvé leur voix, et, et, donc, euh, et donc voilà, l'harmonie s'est réinstallée, mais c'est vrai que c'est passé par un gros chaos de transition avec beaucoup d'apprentissage, parce qu'évidemment, parce qu quand on a dit oui, comme tu disais au début, euh, toute sa vie, et puis qu'à un moment donné, on dit Ah mais non, maintenant je dis non, il est évident qu'il euh, faut avoir un temps d'adaptation, en ouais, fait. Ouais, ouais. mm -hmm. Est-ce que c'est ce que Sacha traverse, ce que j'avais commencé au tome 1, où il se retrouve, donc c'est le, le rayon rouge, hein, où il se retrouve et il se pose des questions, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs <laughs> Oui, donc oui, en fait, euh, mais Sancha, Sancha, c'est un petit garçon qui comprend rien aux choses de la vie et qui, euh, qui est un petit, un petit personnage vient lui proposer de découvrir le trésor de l'arc-en-ciel. Et donc il part en quête. Donc c'est une, une quête à l'intérieur de soi. Donc voilà, avec euh, tous les sujets que j'ai pu rassembler. Donc dans, dans le rouge, c'est occuper sa place. Dans l'orange, ce sont les croyances qui nous empêchent d'utiliser la fameuse soie d'attraction. Donc ça parle de l'attraction. Euh, dans les le croyances limitatives, c'est ça oui, C'est ça, les croyances limitatives. Ouais. Donc, ça, ce sont nos gros freins. Hein. Comme, comme nous savons tous que nous sommes nos propres croyances. Et donc, euh, plus on va les transformer, plus, et plus elles vont nous permettre de mieux vivre notre vie au quotidien. Donc, voilà. Et ch chaque tome donc, a un enseignement. Euh. Jaune, dis-nous un petit peu comme ça, chaque passage, parce que ça, ça correspond aussi aux couleurs du chakra quand même. Donc, on, on part vers le bas et on remonte donc le jaune, c'est vraiment la relation, on commence dans la, dans la dimension émotionnelle, la relation aux autres. Donc moi j'y ai mis les émotions évidemment, mais aussi les jeux de pouvoir. Donc victime, bourreau, sauveur, indifférent, donc il y en a quatre par, par rapport aux dimensions. Euh, dans le vert, c'est l'enfant intérieur, c'est l'amour de soi, c'est la relation aux autres justement. Alors dans le bleu et l'indigo, donc la relation au monde, le monde extérieur, le monde l'expression. Moi j'ai mis aussi les peurs. Quel est le seul moment où la peur n'existe pas? C'est le moment présent, bien sûr. Donc, ouais. euh, donc, le passé, le futur, et pourquoi est-ce qu'on, bien souvent, on, on, on a peur de s'exprimer parce qu'on a vécu une mauvaise expérience dans le passé et qu'on a peur de reproduire dans le futur. Donc, voilà, ça explique un peu tout ça. Mm -hmm. euh, dans l'indigo, c'est l'intuition, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais l'imiter. Puis, alors, le, le violet, donc celui qui, le dernier qui est sorti, c'est évidemment la mort et un autre regard sur la mort. Puisque nous sommes nos croyances, autant croire, croire des choses qui vont nous porter et nous élever. Ouais. Hein, donc voilà, notre regard sur la mort avec les mécanismes du deuil, euh, la flamme violette. Je parle d'Oponopono, une autre manière de l'expliquer. Euh. C'est ça, parce qu'il y a des voilà. techniques de développement personnel qui sont, ou spirituelles même, qui sont un petit peu disséminées partout. Hein. Oui, et donc ici, moi en fait. Euh... Moi, je ne dis pas que mes livres, c'est ce la vérité, c'est ma vérité que je partage. Donc, et si on, on y adhère, ben, tant mieux. Et si pas, ben, tant pis. Donc, moi, ouais. c'est un peu ma vision du monde. Quelle est ta voilà. vision Vision ouais, très colorée. <laughs> Quelle est ta vision de, 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 de cette évolution de, de l'être humain euh, Par exemple, bah, d'où a démarré Sacha ou, ou toi, tu as démarré Vers où Quel est le but en fait ultime Ah, oh, le but ultime Est-ce qu'il y en a un Enfin, moi, moi, en tout cas, par rapport à ce que je découvre maintenant et ce que je vis maintenant, c'est plus on travaille sur, sur ces souffrances qui nous ont fait, qui nous sommes, et plus on peut arriver à augmenter ces, ces vibrations et à trouver un sens à tout ce qu'on fait, plus la vie devient vraiment facile à vivre. Mmh. Et donc, et, et moi, j'essaye vraiment d'être dans cette cohérence, et, et, et c'est ce que je découvre pour l'instant, c'est que, une fois qu'on a pu dépasser tout ça, on, a, on, on est à la portée de, de choses extraordinaires qu'on que, que, qu a la possibilité de faire euh, de, les vibrations sont tellement hautes que, que la porte est ouverte d'ailleurs dans le dernier tome je croyais que la découverte du trésor ça allait se terminer oui la série sera terminée mais c'est une nouvelle porte qui s'ouvre avec tout le potentiel que on... Il est où le, le, le oh, il est beau le vert aussi. hein bah dis donc, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tous magnifiques. Ça, c'est le vert. Voilà. Ça. Ils sont un petit peu dans le désordre. Je vous en montre que quelques-uns parce qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Mais je cherchais le, le 7. Le c'est celui-ci. Ah, voilà. voilà. Oui, c'est le violet. Oui. C'est ça. Voilà, oui. Le violet. Et alors, le dernier, oui, ce sera euh... vraiment sur l'alchimie humaine donc cette transformation euh qui explique justement que quand on transforme ces métaux lourds, eh bien on peut vraiment transmuter ça en, en or resplendissant pour vivre en cohérence. Et alors qu'on est à la porte de, de tous les possibles, en fait. Tous ces dons qu'on peut avoir de télécommunication, de, de télépathie, de... Voilà. Tu ressens que tout ça, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, que tu vois au quotidien. Et tu te sentis quand même super accompagnée, je suppose. Bien pas sûr, oui, 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 bien sûr ça ça a été aussi merveilleux à découvrir de cette euh, ce guide intérieur et, je, et, et ce qui se passe ici pour l'instant c'est qu'avant je le savais ici au niveau de ma tête et que pour l'instant je sens que ça descend au niveau du cœur au niveau du corps et donc c'est encore une merveilleuse découverte que je vais essayer de transmettre dans le dernier tome de dire que on, on peut vraiment vivre comme des êtres de lumière puisque cette, cette présence lumineuse en nous elle on a juste à se laisser porter par elle en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire hein, donc de me laisser guider par cette présence divine à l'intérieur de moi mmh. Et, et donc, ça m'aide aussi à, à oser être là avec toi, par exemple, <laughs> parce que pour moi, c'est un, un beau pays. moment. Oui, hein. Je sens beaucoup d'émotions aussi, et je, je suis touchée par ta présence aussi. Donc, il y, y, y a de l'authenticité, il de la, et c'est beau. C'est est ça qu'on est, on est supposé, j'espère, à travers ces vidéos. C'est ce que vous vous aussi vous, 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 vous témoignez. On, on voit ça, on, on les partage sur Internet, et, mmh. et ça fait du bien. Ça, ça guérit des, des parties de nous qui pensaient que peut-être l'humain était, avait pas cette nature-là. Parce qu'à la base, on a quand même une belle nature. Pourquoi pourquoi tant de, de croyances, de dogmes, d'interdits, alors qu'en fait, on, a, on, est, on est beau à l'intérieur Il n'y a, a rien de monstrueux en nous. Et ce qu'il y a de monstrueux, ça part, non Ça part, ça, ça, ça va. Ou c'est là, mais ça fait partie de nous. On l'accepte. Mais disons que moi, dans ce que je découvre pour l'instant, c'est comme si on a cette personnalité, et par, quand on est dans l'ignorance et englué dedans, cette personnalité, euh, on est dans la dualité. Mmh. Et que derrière ces, ces, cette dualité, par exemple dans, dans, le, dans le rayon jaune, ce sont des caps. Mmh. Cette personnalité, ce sont des caps, et, et que finalement. Euh, une fois qu'on va au-delà de cette personnalité on, on découvre l'être et quand on se rencontre comme ça d'âme à âme d'être à être il est évident que tout ce côté personnalité on se rend compte qu'on qu est bien plus que ça ah. hein, que cette dualité et là on est vraiment dans son unité ah. et donc euh, transformer transformer sa vie dire oui à qui on est etc mais c'est vraiment euh, on en a besoin la personnalité mais on, a, on doit en être le maître et, et donc voilà, c'est de pouvoir justement retrouver cette lumière à l'intérieur de soi. Mmh. C'est ça que j'essaye de faire passer. Et je crois que aussi une de mes motivations, c'est de dire euh, c'est possible en fait de passer de cette dualité à une certaine unité. Évidemment, je crois que c'est le travail d'une vie, de travailler sur son, sur son mmh. ego et sur sa personnalité. Mais, mais je pense aussi que, que si on arrive vraiment à, à contacter ça, euh, et moi ma volonté de transmettre, elle est là. Si peut-être ma maman avait eu toutes ces clés, elle n'aurait pas été obligée de se suicider et de quitter cette terre-là. Et donc, de dire Mais voilà, vous êtes aussi ces êtres de lumière à l'intérieur, donc sortez, prenez de la distance, hein. se dissocier avec ce petit théâtre duel-là où on n'est pas confortable pour aller vers quelque chose où on peut retrouver cette, cette mmh. lumière à l'intérieur de soi. Et c'est possible, et c'est ce qui motive en fait. Mmh. Ces clés là, tu les as retrouvées une fois que ta maman était plus plus des nôtres sur Terre. Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'est-ce qu'on fait Comment faire face à une personne si on a une personne comme ça dans notre vie qui est suicidaire mmh. Que dire Que dire Que faire pour quel est le premier pas ou quels sont les pas maintenant que tu as ces clés Alors euh, que dire Moi, je dirais que de toute façon, c'est la conscientiser qu euh, que, que de toute façon, si elle fait ce choix là pour elle. Bon, là, c est, c est... Moi, moi, ma maman, par exemple, c'était le premier choix qu'elle a fait de sa vie, puisqu'elle était toujours euh, un peu dans l'ombre. C'est la première fois qu'elle a fait un choix. Mmh. C'est de dire, mais oui, tu as ce choix-là, mais tu en as un autre aussi qui est, mmh. qui est possible. Mmh. Et alors, c'est de sortir justement de ce côté euh, victime où, mmh. où on imagine que, 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 que les autres sont responsables de notre souffrance. Donc, c'est vraiment ramener la personne euh, à elle-même, en fait, et te dire, mais quel choix est-ce que tu veux faire ici sur la Terre mmh. par rapport à ça et pour, pour justement euh, réussir à en sortir. Parce qu'il ces moments d'étincelle, c'est comme s'il y a une petite étincelle ou une lueur d'espoir, une lumière qui revient, qui re rentre dans le corps, dans les cellules. Mm. C'est ça, c'est intéressant. À quel moment c'est vraiment un choix, c'est un déclic, c'est quelque chose qu'on a peut-être entendu qui fait aha, et, et là on dit on ne peut plus fonctionner comme ça. Mais ce n'est pas évident en fonction de la, de la profondeur ou l'ombre dans laquelle on est. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, moi, ce que je dirais, c'est d'écouter les signes. Mmh. Déjà, de, se, de, de, de voir un peu, mais tiens, euh, si sur une journée, je décide de, de, de voir dans la nature, mais ce qui est beau, un regard que je vais croiser, euh, mmh. je rentre dans une boutique, il y a un livre qui va, qui va me parler. C'est vraiment déjà de, de voir, tiens, qu'est-ce que la vie va, va m'apporter de de beau, d'agréable de, aujourd'hui, plutôt que d'essayer de voir tout ce qui ne va pas. Mmh. Et donc déjà, ça, c'est le début. C'est vraiment de voir euh, les petits messages que la vie va, va vous apporter. Parce que dès qu'on demande ces petits messages, ben, la vie nous répond, évidemment. Mmh. Donc euh, ça, c'est un premier pas. Et c'est là, après, que ça renforce la confiance. De se dire, bon, ben, je, je fais confiance que je vais rencontrer la bonne personne ou le bon bouquin. ou Voilà, et... Et, et, et après c'est de se mettre en route vers soi et faire le choix d'aller vers l'inconnu on sait que l'inconnu fait peur et en même temps c'est là qu'il est, qu est que le changement s'opère en fait c'est mmh. quand on retourne vers ce connu vers le choix du cœur mmh. ça, ça te fait peur de finir d'être tome 8 bientôt et de, de bientôt avoir fini cette magnifique <laughs> euh, hein, c est, c est parce que je suppose que quand on est immergé dans une telle création euh, à un moment bah, on, 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 elle on se termine non elle se termine et, et, et finalement elle n'est pas finie parce que en fait c'était très drôle parce que quand j'ai commencé cette aventure je me suis dit ah ben j'ai trouvé ma mission de vie après je peux mourir Puis je me suis dit mon dieu quelle croyance mais j'annule <laughs> et en fait ce que je me rends compte ici c'est que quelque part c'est pas fini c'est que donc euh, j'ai créé aussi une ASBL donc on est occupé à former aussi des, des personnes euh, donc il y a les ateliers arc-en-ciel mais aussi des pour, pour des praticiens avec lesquels on voudrait créer une collaboration soutenue par euh, la fédération création vivante donc pour créer vraiment et créer des ateliers sur base de ça pour les enfants, pour les adultes. Là, j'ai rencontré justement une directrice de prison qui me demande, tiens, ça t'intéresse Oui, 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 oui. Et donc, j'ai envie maintenant de poursuivre ce message et de l'amener aussi à des gens qui ne sont pas encore réveillés. Les BD permettent ça aussi, c'est que des gens qui sont justement encore dans ce gros... Je sais pas comment on peut la caca, voilà, tout à fait, euh, de, de cette ignorance euh, qui croit que la vie c'est ça, c'est de les amener justement à les sortir de là. Et, et, et là, je mesure que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ne fût-ce que, euh, ici, le livre, c'est une initiation. Il y a plein de sujets que j'ai envie de développer maintenant. Et ici, il y a une histoire, donc. Je suis obligée de, de synthétiser très fort l'enseignement. Donc voilà, j'ai plein d'idées, évidemment. Je ouais, ouais. fourmis d'idées, donc euh, des livres qui pourraient aider aussi. Euh, beaucoup de thérapeutes les utilisent, etc. Donc avec euh, les exercices, euh, avec ma fille. Donc je travaille avec ma fille aînée, celle qui t'a contactée. Euh, donc elle, elle anime avec moi. Et donc elle aussi, elle, est, elle, elle travaille dans tout ça et on a envie aussi de, de poursuivre cette aventure et, et d'essayer d'amener de, un, un maximum de monde à s'éveiller, justement. Mmh. Un grand merci à ta fille, comment elle s'appelle Parce qu'elle nous a mis en contact. Oui, oui, Fanny, voilà, merci, merci Fanny. Fanny. Un gros bisou à Fanny, merci ma délicieuse co-créatrice de m'avoir apporté ta maman, j'adore. <laughs> j'adore, quel beau moment. Ben, merci beaucoup. C'est vrai qu'une fois que ces portes-là s'ouvrent, enfin, c'est la porte des possibles, c'est sans fin. Et on, on est dans, dans cette confiance et dans cette co-création qui est absolument délicieuse. Merci beaucoup Martine. Merci. Merci Lilou. Merci. C'était un bon moment euh, de partage avec toi. <laughs> et plein, plein de gros bisous à vous, bélicieux co-créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager hein, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Facebook, ça pour ça. N'hésitez pas parce que c est, c est, ça, ça permet de diffuser au plus grand nombre et c'est des histoires qui peuvent changer le cours d'une vie donc, et de cours Ce de plein de vie. Graines. Ce sont des petites graines, les ouais. livres. Voilà. C'est ouais, ouais. des petits éveilleurs de conscience. Et puis après, poursuivre. Euh, euh, voilà et, et s'éveiller à la vie en fait hein. oui. mm -hmm. merci. merci merci plein plein de gros bisous au revoir!